Pour beaucoup d'agriculteurs, c'est désormais l'outil indispensable. Le filet anti-grêle gagne de plus en plus de terrain au-dessus des vergers français. Une solution pratique et efficace pour protéger les cultures des caprices de la météo. La seule solution, c'est d'abriter les pommes pour qu'on ait une récolte garantie, même s'il y a de la grêle. Alors qu'on pourrait avoir un système d'assurance, mais qui d'ailleurs serait trop onéreux maintenant, on ne pourrait plus avoir accès, et puis qui ne garantit pas d'avoir de la récolte, donc ne garantit pas de garder notre circuit commercial comme nous pouvons le faire. Une solution idéale pour les pommes, les pêches ou encore les abricots, mais pour le moment incompatible avec les vignobles. Les vignes, il faudrait repalisser avec des piquets justement et des pieux de plus haute, de plus grande hauteur, et ça reviendrait plus cher sur la vigne que sur les vergers. Il n'y a pas que les agriculteurs qui investissent dans les filets anti-grêle. Les concessionnaires automobiles ont eux aussi adopté cette technique. Un dispositif qui permet d'éviter les catastrophes. Aujourd'hui, si on n'a pas ce genre de protection, on peut perdre quasiment un mois de vente automobile. Des filets anti-grêle qui vont peut-être aussi devenir une alternative à l'assurance pour les particuliers. Plusieurs sites internet en proposent, que ce soit pour les plantations du jardin ou les voitures et caravanes.